Si vous voulez devenir un expert dans l'art d'embrasser, nous allons vous expliquer dans cette vidéo de tout comment toutes les étapes pour donner un baiser à couper le souffle. Première étape. Avant de commencer le baiser, vous devez bien démontrer à l'autre personne votre désir de l'embrasser. Pour cela, jouez avec le langage corporel. Rapprochez-vous un peu. Souriez. Touchez-lui les mains. Humidifiez vos lèvres. Deuxième étape. Lorsque l'autre personne aura compris que vous voulez l'embrasser, et rapprochez un peu votre visage de sa bouche. Conseil. Lorsque vous approchez votre bouche de celle de votre partenaire, vous devez pencher légèrement la tête sur le côté, sinon vos nez choqueront et la situation peut devenir un peu inconfortable. Troisième étape. Joignez vos lèvres aux siennes et donnez un baiser doux et tendre avec la langue. Conseil. N'introduisez pas votre langue dans sa bouche trop rapidement pour que ce ne soit pas désagréable. Un bon baiser commence doucement, en augmentant l'intensité petit à petit. Quatrième étape. Ouvrez légèrement vos lèvres pour prendre les siennes avec votre bouche. Faites des mouvements doux pour embrasser votre partenaire avec tendresse. Cinquième étape. C'est maintenant le moment d'introduire petit à petit la langue. Commencez par effleurer ses lèvres avec la pointe, puis jouez un peu avec sa langue. Ne la remuez ni trop rapidement, ni trop lentement. Vous devrez jouer en faisant des mouvements circulaires, tranquilles et posés, pour vous entrelacer avec la langue de votre partenaire. Conseil. N'exagérez pas en introduisant votre langue dans la bouche de l'autre personne. Vous devez l'introduire à moitié pour obtenir l'effet souhaité, mais sans l'étouffer. Sixième étape. Sortez la langue petit à petit de sa bouche et retournez au mouvement des lèvres. Terminez par un petit baiser avec la langue ou bien par un bec sensuel et vous aurez réalisé un vrai baiser de cinéma.